Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo réservée aux membres premium. Vous allez voir un tour de petit paquet vraiment génial, vous allez adorer, c'est sûr. Comme d'habitude, la démonstration, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, le lien de l'explication se trouve dans la description de la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent via Tuto Magie Premium, ça fait grave plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok, et également mon école de magie en ligne, tutomagie.com. Vous allez pouvoir retrouver des centaines de vidéos de magie, donc que ce soit pour la magie des cartes ou de la magie des pièces, des techniques, des tours, vraiment il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis toutes ces années sur YouTube. Et tout de suite, place à la démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce truc qui est vraiment très compliqué à comprendre. Moi-même, je comprends pas. Ça se fait avec 4 cartes. Alors, on a des cartes spéciales, hein, des doubles dos rouges qu'on pourrait donner à l'examen du spectateur. Et également, 2 doubles dos bleus qu'on pourrait également donner à l'examen. Et l'idée, en fait, c'est de mélanger les cartes, de les alterner, avoir rouge-bleu, comme ceci. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que même si les cartes sont mélangées, si on les frotte sur la table et qu'on claque des doigts, en retournant l'ensemble, on peut voir que les cartes se séparent. Alors, on peut avoir les rouges d'un côté, les bleus de l'autre. Ça, je le comprends pas. Je vais vous le refaire, vous allez voir, c'est incompréhensible. Je mélange les cartes, donc si de ce côté, les cartes, regardez, mais je les aligne, de ce côté, elles sont mélangées, de l'autre également, hein, puisqu'on a interverti les rouges et les bleus. Du coup, si je réintervertis ensemble, donc je les sépare, j'ai les rouges d'un côté et les bleus de l'autre, hein, vraiment, hein, nettement, et que je les égalise ensemble, normalement, ça bouge pas. Pourtant, si je frotte sur le tapis et que je claque des doigts, eh bien, croyez-le ou non, mais les cartes se mélangent. Et ce qui est encore plus fou, c'est que si elles sont mélangées de ce côté, de l'autre, elles se séparent. On a les rouges d'un côté et les bleus de l'autre. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Et ce qui est encore plus fou là-dedans, c'est que si je refrotte encore une fois et que je claque des doigts, maintenant, les cartes sont d'un côté toutes bleues et forcément, de l'autre côté, toutes rouges. Avec ça, je comprends plus rien. C'est pour ça que je trouve ça vraiment bizarre.